Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, l'astucieux.va va vous faire une vidéo sur un liquide. Donc voilà, le e-liquide Black Orange Crunch qui vient de chez Dinner Lady. Voilà, donc c'est j'ai pas toute la collection des e-liquides parce que c'est les Summer Holiday. Voilà. Donc c'est du 50 ml la fiole. D'accord. Donc on va faire le tour du propriétaire. Donc ici, vous avez un bouchon ici qui se dévisse comme ceci. C'est une pipette en verre. Voilà. Comment que ça se présente, hein. Il faut appuyer ici pour aspirer le liquide. Voilà. Donc toute la fiole est en verre et c'est une peinture violette qui a été mise dessus. Donc ici, vous avez l'image un peu plage vacances avec Aroma. La marque qui a fait ce liquide, donc Dinner Lady. Ici, donc le goût qui sera à l'intérieur de ce liquide, donc le Black Orange Crunch. Et ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, est 50 ml. Donc c'est un liquide en 30 pg et en 70 vg. Et c'est un liquide qui vient du Royaume-Uni. Je vais y arriver quand je parle. Donc je vais vous dire ce qu'il faut savoir par rapport si vous parce que c'est du liquide que vous recevez en 0 g de nicotine, il faut le savoir. Donc si vous voulez mettre de la nicotine à l'intérieur, donc si vous voulez du 10 mg de nicotine, il vous faut 5 boosters de 20 mg de nicotine et 10 ml. Si vous voulez du 8,89, il vous faut 4 boosters. Si vous voulez du 7,5, il vous faut 3 boosters. Et pour du 5 71 deux boosters, et pour du 3,33 il vous faut un booster, et pour du 0, et ben vous rajoutez rien et ça sera nickel. Donc pour le test, je serai avec moi-même, bien sûr, c'est normal, et avec Guillaume Pilate pour ce test. Donc nous voilà pour le test de ce liquide avec Guillaume. Donc je vais vous lire un petit descriptif et on va vous dire après ce que je pense de ce liquide ainsi que Guillaume. Donc le e-liquide Black Orange Crunch de 50 ml Summer Holidays par Denny Lady. C'est un cocktail bien frappé de cassis et d'orange avec quelques notes de glaçons. Alors attention à la fraîcheur, d'accord? Donc voilà pour le descriptif. Donc ce qu'on a compris dans cette description, c'est qu'il y a de l'orange, un jus d'orange avec du cassis et des glaçons, qu'on soit bien d'accord avec ça. Donc Guillaume, qu'est-ce que tu penses de ce liquide? Alors on a bien le goût de l'orange et du cassis, donc ça c'est sucré. Et bah moi pour moi bah je pourrais le vaper à longueur de journée. Mais donc sur Dripper ça donne super bien, donc c'est excellent. Mais je ne sais pas qu'est-ce que ça donne sur les atomiseurs, mais en tout cas excellent sur le Dripper. D'accord. Donc, Guillaume est sur le Dead Rabbit, comme Dripper. Moi, je suis sur l'Apocalypse. Donc, tu m'as dit que tu ressentais bien l'orange. Oui. Mais est-ce que tu ressens du cassis? Oui, un peu, mais plus l'orange. Plus l'orange qui prend le dessus. Bien sûr. Donc, moi, ce que je ressens, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup l'orange. C'est comme si je buvais un grand verre de jus d'orange bien frais avec des glaçons dedans. Mais alors le cassis, ça va vraiment être comme si je prenais une petite pastille en bonbon de cassis, d'accord? Mais je le sens très légèrement en fin de latte. Mais sinon, ce qui va prendre dessus, c'est une orange avec des glaçons dessus. Voilà ce que je ressens. C'est comme si vous prenez une orange, vous l'épluchez, vous le mettez dans le congèle et que vous la reprenez, qu'elle soit en glace. Voilà moi ce que je ressens. Mais alors, le cassis, il est rare quand je le vape. Hein, c'est vraiment. Mais c'est ça qui va donner un petit côté sucré à la fin des lattes. Mais sur le cassis, pour ma part, je le sens très, 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 très peu. C'est pas un liquide que je vois après tous les jours. Sur Dripper, en 0 mg, il passe vraiment bien. C'est vraiment quelque chose de frais, mais pas trop en même temps. Ils disent attention à la fraîcheur, mais pour moi, il n'est pas si frais que ça. Et c'est ça qui est bien, parce que du coup, on peut le vaper plus, quoi. On va en tirer plusieurs lattes. Donc, c'est pas gênant à vaper sur un Dripper. En tout cas, je l'ai testé sur un atomiseur. Là, ça ne donne pas du tout ce qu'on veut. L'orange, on la sent, mais c'est un pur glaçon. C'est comme si vous avez mélangé de l'orange avec de la menthe. Donc, dans l'atomiseur, moi, ça ne me plaît pas. Je l'ai testé dans plusieurs atomiseurs. Hein. Mais sur le Dripper, en tout cas, il passe vraiment super.
Voilà, rien d'autre à redire là-dessus. Je vais remettre un petit peu de liquide dans mon dripper. Et on va fermer cette vidéo-là avec que c'est un bon liquide, mais il y a du mais. Voilà, quelque chose à rajouter. Aucun. Aucun. Donc voilà. Mais je le conseille pour les personnes qui aiment bien les goûts assez sucrés et fruités. Voilà, parce que c'est un liquide qui est, comme dit Guillaume, qui est sucré, bien sucré et de fraîcheur. Voilà. Donc dans l'atomiseur, si vous aimez tout ce qui est bien frais et que l'arôme est un peu effacé, c'est pour vous. Mais si vous êtes au dripper et que vous voulez quelque chose de sucré avec un petit peu de fraîcheur, c'est pour vous. Donc voilà, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur l'astucieux.vap. Donc, nous voilà pour le test avec... Non.